qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, tout le monde ne parle que de vintage là, donc du coup je me suis dit tiens, je vais faire un porte-téléphone mais vintage. Du coup la louche c'est cool, tu vois. Par contre ça galère un peu à bah à tenir quoi. En fait si je tiens tout le temps c'est cool, mais il faut en fait que je fasse un porte-louche maintenant. Pas mal non? Mmh, de toute façon t'as jamais été vintage. C'est la mode des portes portables, il y en a partout et c'est également la mode du vintage. Et bien tu sais quoi, je vais te proposer une astuce qui combine les deux. Je vais te montrer. Regarde, cet objet appartient à la préhistoire, c'est une cassette. Et voici un objet un petit peu plus moderne, un téléphone portable. Regarde, on va combiner les deux. Tu prends ta cassette, tu enlèves cette chose bizarre là, à l'intérieur. Tu positionnes ta cassette comme ceci. Tu la tournes, tu la mets vers toi, tu prends ton portable, tu le mets dedans et magie, ça te fait un porte-portable vintage au taquet. En plus, je sais pas, tu es dans le train, tu as envie de regarder une vidéo. Et voilà, impeccable. Et tu as un porte-téléphone vintage au top. Et tu sais quoi? Il y a encore une deuxième utilité avec cette vieille cassette. Tu n'y crois pas, mais si, regarde. En plus du porte-portable, ça peut te faire un formidable étui à écouteurs. Et voilà, comme ça, ça ne se balade plus dans le sac à main ou dans la bagnole ou je ne sais où. Astucieux, n'est-ce pas? Ne me remercie pas. Cette astuce déco t'a plu et tu en veux plein d'autres? Eh bien, tu connais le réflexe. Tu t'abonnes à la chaîne Minute Déco, bien sûr. Et moi, je te donne rendez-vous très très vite avec encore plein d'autres astuces tout aussi fantastiques.